Alors oui, c'est le 4e Mont Blanc Photo Festival, la 4e édition. Un petit mot pour dire que cette année, on a porté un œil très attentif, particulier, à deux points qu'on voulait améliorer. Le premier point, le tirage des images. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais les images là sont vraiment dans un tirage sublime, quasiment un tirage d'art en extérieur, ça c'est assez rare. Et le deuxième point, on a voulu travailler cette année avec une artiste en résidence. Et on a donné à cette artiste en résidence, Roxane Petitier, un objectif qui était de filmer, de photographier plus exactement, les guides pour la 150 ans de des guides ici à Saint-Gervais. Donc voilà, ça a été vraiment cette année un travail de concentration, d'amélioration sur ces deux points très forts. Et comment s'est opérée la sélection de tous ces artistes alors ? La sélection, elle s'opère avec Patrick et Marie Blanc, qui sont les directeurs artistiques du Mont Blanc Photo Festival. Et dans l'année, on se voit régulièrement, on fait des expos ensemble ou séparément. Et après, on se réunit et on regarde quel type de photos on a envie d'avoir, quel type d'image. Et puis la deuxième sélection, elle se fait par un magazine qui s'appelle Réponse Photo, avec qui on a un partenariat privilégié, puisqu'on fait un concours avec Réponse Photo. Et donc, dans la sélection, on a aussi ce concours avec Réponse Photo. Et ici, au Contamine, on retrouve qui alors ? Alors ici au Contamine, on a Cindy Janon avec son exposition au Pays des Fées qui est absolument sublime, qui nous a beaucoup plu. D'ailleurs, cette image a gagné le Grand Prix du Mont Blanc Photo Festival cette année. On trouvait que c'était une image entre un moment comme ça, obscur en montagne, où il ne fait pas beau, et en même temps où tout est magnifique. Donc c'est vraiment intéressant, la profondeur de champ de l'image nous emmène très très loin, et ça aussi ça nous a beaucoup plu. Et puis il y a cet instant, la photographie c'est aussi de l'instant, c'est savoir capter ce moment où on va fixer l'image et le cadre. Donc il y avait beaucoup de techniques et une poésie infinie dans le travail de Cindy Janot qui a gagné. Et puis il y a le travail aussi de Guillaume Billy, ici au Contamine Montjoie, vers l'obscur, qui a fait tout un travail sur la nuit, sur des choses assez noires, assez sombres, et qui nous a beaucoup plu. Et Guillaume Billy, qui est un artiste photographe très réputé lui aussi. Donc ce sont les deux artistes qu'on trouve ici au Contamine Montjoie. Et à Saint-Gervais, on trouve toute l'expo à Haute-Tour. Alors à la Maison Forte de Haute-Tour, il y a toute l'expo jusqu'au mois de septembre de tous les artistes qui participent au Mont Blanc Photo Festival. Et il y a d'autres même photos, d'autres images. Donc on peut vraiment découvrir le travail des artistes d'une façon plus élargie encore, que je vous recommande vivement d'aller faire.